Bonsoir, bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ce vendredi le 4 septembre. Nous commençons ce bulletin avec bonne réussite. Gouvernement établit un fonds pour supporter un petit business qui ont revenu moins de 2 millions de roupies par an avec moins de critères pour faciliter les autres gagner accès avec financement. Seychelles Revenue Commission indique le président Ford quand il visite à l'établissement qui expecte en masse moins de taxes à l'année et puis considère prolonger le paiement de taxes pour plusieurs business qui sont affectés avec la pandémie COVID-19. 71 travailleurs de la santé ont un certificat aujourd'hui de cérémonie graduation pour l'école NIHSS. Nous allons le bon détail s'habilité à présent. Bon petit business qui dans difficulté financière et qui besoin l'argent est capable prêter l'argent en bas fonds support pour bon petit business. Tout pour capable commence faire l'application pour salon à partir jeudi prochain. Pour n'a pas l'intérêt le salon et pendant une période grâce un an. C'est la banque développement DBS qui vous donne salon. Gouvernement il prend sa décision suivant consultation avec l'Assemblée commerce et l'industrie SCCI. Il n'est pas significant cause beaucoup, il y a 10 000 euros. Il est en l'année crédit pour un business qui est affecté avec la situation COVID-19. L'on que la banque commerciale, Credit Union et DBS peut donner en travers 500 millions de roupies que la banque centrale t'y met à sa disposition. Ça est spécifiquement pour bon business qui pas faire plus que 25 millions de roupies par an. En vie que certains business pas capable qualifier en sa première forme loan, secrétaire principal pour finance de Mien Tese, il dit que suivant consultation avec la somme commerce et l'industrie SCCI, gouvernement peut venir avec un fonds support pour bon petit business qu'on soit capable de prendre loan avec la banque développement DBS. Avec une difficulté par exemple pour provide certaines garanties pour sa bonne loan qui bonne la banque commerciale puis dans autres. Alors, proposal qui l'Assemblée commerce Céline fait avec le gouvernement, c'est pour considérer facilité pour sa bonne petit business et nous tombons d'accord qui nous cabe en une facilité qui nous appelle un small business support fund qui pour facilite bonne petit business qui sont réunis. Il part en bas des millions ou plus, spécialement pour sa dernière 10 ans, et qui est en opération depuis mars 2020, plus ou moins, avant mars 2020. Et ça pas pour en aucun intérêt. Deuxièmement aussi, en vue de sa difficulté que les autres gagnent dans ce business, nous pas pour demander aucune garantie, les autres pour prendre sa loan. Et sa loan, il pour à sa disposition de ce business, jusqu'à un son maximum 100 000 roupies par business. Salon pour gagner donner comme une forme support pour un business, soutenir l'opération et aussi payer les bonnes dépenses et mettre en place une facilité sanitaire qui département de la santé y recommandé. Business qui prend salon pendant 3 ans pour payer et un an grâce. Gouvernement peut mettre un son 100 millions roupies à disposition de la banque développement pour donner salon. Chairman SCCI, Oliver Bastien, il dit que sa intervention est nécessaire à cause en ce moment, il y a une quantité de petits business qui ont des difficultés. Bonne statistique, ce qui nous voit, et spécialement un rapport qui nous a fait, qui a montré que les SMEs dans l'économie, nous avons contribué 46% à l'emploi et 16% towards notre GDP. Il y en a une grande importance pour nous faire ainsi qui nous capables si pour ça va un petit business. Nous vraiment content qui nous peut voir que le gouvernement il répond positivement le côté sa décision et pendant ça un mois et demi nous travaillons l'Assemblée commerce nous peut travailler avec avec ministère finance principalement avec PST et son team. Et avec DBS et ben, les autres partenaires qui nous en ont, pour vraiment mettre ce framework ensemble, qui, je crois, qui est vraiment important pour un petit business. Bien sûr, ça a fait DBS. Récemment, vous avez fait bon, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour l'investissement. Et là, c'est le coup en grand, nous avons un loan pour un petit business, peut-être public pour demander. Mais côté l'argent pour sortir, même si on dit mon l'argent gouvernement, clarifié. Avec COVID-19, quoi qu'il s'en soit, nous revenons
Indisan, pour exemple, les impôts de police. Sur sa bonne qui nous y prend, ça 1,5 million, c'était plus ou moins pour financer tout programme gouvernement. Nous avons un déficit total 3,7 billion et nous avons besoin d'une bonne 1,5 billion. So, ça qui nous peut faire, là encore, naturellement, nous avons besoin de boulot pour nous capables de continuer mit programme gouvernement. Et nous pouvons aussi voir, à Zov Ziliet, nos projections revenues qui nous ont fait un peu plus haut. Collection, il y a un peu plus haut sa position qui nous peut faire. Ça veut dire, nous pas si tant ça worse off in terms of revenue qui nous suspecte. Mais sûrement, il y a un petit peu trop bonnet pour nous capables de commettre l'eau là à cause d'un bon peu l'état pour nous aller en ce qu'en décembre. So, non, je ne peux pas dire comment un budget supplémentaire. Si mon patron, récemment, de l'Assemblée nationale, a dit sans façon faire qui. Le gouvernement y a même budget supplémentaire. Le temps que l'Assemblée répond, moi, il y a d'autres pour faire ça. Des faits qui ont des ans dans ces affaires PMC, HFC, il fait un, là, un deuxième. Nous avons réalisé que nous avons le temps, que nous appelons ça unprecedented, exceptionnel. Et naturellement, là, nous n'avons pas l'Assemblée qui est en session. So, nous avons besoin à ce gouvernement capable, les lois les nécessaires à travers le ministère des Finances, fait sa bonne dépense, qui après nous régularise. Donc, so, tout ça là, après, pour gagner soumettre naturellement avec l'Assemblée pour gagner régulariser. DBS peut commencer dans le salon à partir des 10 semaines prochaines jusqu'à le 31 décembre sa l'année. Même si sa qualité loan pas besoin garantie, le business gagne informé qu'ils ont l'obligation pour rendre sa l'argent à prix. Et si ils n'ont pas fait li, la banque peut prendre action nécessaire. Bon business qui relie avec activité touriste qui peut louer bonne propriété gouvernement peut gagner une réduction dans autres paiements location entre 50 à 75% dépendant la qualité business qui s'est fait. Ça a commencé depuis mois passé et pour aller jusqu'en décembre salonné. Depuis avril jusqu'en juillet, bon business dans sa catégorie tingoy en période grasse en vie qui s'est intin forcé ferme sur la porte temporairement à cause pandémie COVID-19 et autres participants gagnent touristes pour ses autres produits et services. Secrétaire principal pour finance Damien Tézé, il dit que ça pour n'a pas aucun grand impact le revenu qui gouvernement y ramassé. Il n'est pas significant cause beaucoup. Il y a 10 000 roupies, 10 000 roupies, 5 000 roupies. C'est une bonne rente assez bas. À cause, c'était un petit business qui s'est préparé à sa bonne endroit. Ok, c'est pas trop capable d'afforder sa bonne rente commerciale. So, par exemple, nous connaissons une bonne différente facilité en bas à y aller qui le gouvernement fait pour louer un bon petit business. Et plus ou moins, l'héritage, Social Heritage Foundation, nous avons ESA, Enterprise Social Agency, après nous avons aussi AIE, et aussi de certaines instances SCE, Social Agricultural Agency. Bidze Salonen, il fait provision pour payer bon ministre et président les autres complètes autres mandats de travail, mais ça pas le cas pour bon membre l'Assemblée nationale à cause d'autres mandats qui supposé fini l'année prochaine. Monsieur Tézé dit qu'il est nécessaire pour qu'on fait pour payer sa bonne membre l'Assemblée nationale. Pour bon membre l'Assemblée nationale. Il suppose au terme supposé fini 2021, so naturellement, il n'a pas aucune provision qui s'est faite pour 2020 pour payer les autres. Mais seulement en vie, en bas la loi, National Assembly Members Emoluments, il cite clairement qu'à la fin terme, ou bien si ça a possible qu'un vacant, ou besoin payer sa membre. So, nous présents au gouvernement, nous avons fait ça l'argent available pour nous capables de payer sa bonne membre de l'Assemblée nationale. Il peut aussi d'habitude. Naturellement, nous avons sa somme qui l'Assemblée in provide avec nous. Et là encore, nous avons régularisé les noms d'un budget supplémentaire avec l'Assemblée. Dans sa situation économique, qui paye là-dedans, le public peut gagner encouragé pour venir plus conscient de l'autre dépense. Dans ce même contexte, récemment, le gouvernement annonce plusieurs mesures pour supporter différents coûts de société qui sont dans difficulté économique. Secrétaire principal pour finance dit qui tombe dans responsabilité gouvernement pour un bon mécanisme en place pour assister ça qui a besoin.
nous pas pour dire nous peut donner l'argent les frightened set tout bonne mesi qui peut gagner prend il targeté. Ça veut dire nous peut évaluer, nous peut assesser, nous peut guetter côté qui nous voit en difficulté. So nous donne seulement ça en droit côté besoin d'assister. So il pas question moment pas de gagner, mon camarade gagner, nous besoin guetter quoi qui besoin lesquels sa secteur et sa cause population qui besoin assister. Par exemple, nous on a welfare, nous on a assistance sociale qui pas tout le monde qui gagne. Ça qui est capable d'afford tous les mois pour mettre son bonne dépense, il fait l'eau même, le salaire qui gagne. Mais sa banque qui sa salaire gagne, qui passe pour lui soutenir son défense, là, non, la protection sociale qui donne un supplément tous les mois à bon Zimoun. So, ça, il déjà là. So, tout l'assistance qui donne, il targeté d'après policiers, mais d'après demandes qui ont envie targeté. Il pardonne tout Zimoun à cause de ça, il ne peut pas donner les fighting center. Seychelles Revenue Commission peut considérer prolonger paiement taxe pour plusieurs business qui ont été affectés avec COVID-19, prenant compte performance l'économie pays. Ça est principalement pour l'hôtel, la banque, la compagnie télécommunication et CPEC. En résultat, ça et ça aussi expecté en masse moins revenus taxes salonnées. Ça tient bon cisé que tu gagnes mis à l'attention président Danny Ford pendant une visite officielle bon matin contre sa l'organisation qui est basée de bâtiment Colette House en ville. L'effet pandémie COVID-19, le collection taxe salonnais et parmi bon cisé qui bon officier commission revenu SAOC, une cause avec président Ford là pendant une visite qu'il fait là-bas. Qui s'apprend un grand impact de l'argent qui gouvernement y pour ramasser salonnais. Jusqu'à présent, le gouvernement a collecté 3,8 billion roupies comparé avec l'année passée entière qui était 7,2 billion roupies. À cause de la situation COVID-19, ça a affecté la quantité de business et ça a fait une baisse dans la quantité de revenus taxes qui est aussi collectée pour mettre dans le coffre du gouvernement. On a 50 ans de taxes avec Fuel, mais là, il n'y a pas flight, il y a un bateau réduit, mouvement de transport et so on. Il réduit, so définitivement nos collections font plus mal aussi tôt. Il tombe. The same thing, communication, télécommunication, autres so offrent service avec l'hôtel. Quand c'est service avec l'hôtel, soleil l'hôtel fermé. Il n'a pas sa quantité phone calls, c'est souvent qui permet ça. Mais la compagnie de télécommunication paye nous. Mais la banque aussi tout, il en a. C'est un problème. Autres, ben client peut-être pas se paye autres loans, autres ils donnent ben moratorium. Sous ça l'intérêt que j'espère amasser, il réduit, sous autres aussi tout, nous voit pour dire, ben, les taxes que j'ai payé. Il y en a une réduction. Donc, quite frankly, COVID in sort of across the board. Face avec situation business qui est bouleversée à cause de COVID-19 et ça aussi, il a besoin de faire un certain arrangement avec mon business qui paye les taxes. Ben, mais nous avons introduit, nous avons retiré net provision de taxes qui est mise à taxes coupée en avance. So, nous avons à peu près 72 business qui type en bas tourisme, qui type paye nous provision de taxes. On appelle ça PASUGO, PAYG. So, tous les 72, nous avons wave complètement. Mais seulement, l'arrangement c'est qu'en septembre, là, la fin septembre, nous supposons retourner back, côté sa banque entities, et si vous avez senti pour dire l'opération, il n'y a pas que vous avez un client là, vous avez senti qu'il peut make up for that loss, which, quite frankly, I don't think it's going to happen. Mais seulement, sa communication, il veut arriver à cause de ce patron, sa arrangement. So, then, nous recommençons à payer votre. PYG as of October, November, December, but most likely, ça va risquer d'être extended. Madame la ministre dit qu'il dépend de la performance des autres secteurs dans l'économie, il peut prendre le temps pour retourner au niveau revenu qu'ils ont amassé pour 2019. Définitivement, nous ne pouvons pas en janvier, si tout le tourisme secteur retourne back, quand il y a par exemple, commencement à l'année, ou quand il y a de l'année passée. So, pour prendre un bon petit peu de temps, définitivement, peut-être 20 millions next year, nous sommes capables de voir un big improvement à mille regards ou arrivals. Nous sommes arrivés à 200 000, si nous sommes encore à 1000. So, nous avons une capacité pour nous catch up, so it's going to take quite a while. Et ça aussi informé le président Ford pendant son visite qui ban l'agrément double taxation que le gouvernement fait avec les autres pays, peut faire cesser le perdu un peu revenu, pareil d'un service consultation.
surtout là pour prendre l'augmentation du commerce mondial. C'est celle aussi là nous si nous capables de demander les formations de ben du monde qui peut faire business. C'est celle mais qui pas nécessairement peut payer taxes, c'est celle mais qui peut payer taxes dans un pays. Donc nous capables de demander les formations. Mon quoi si mon bâton on paye depuis à l'année commencée nous avons 5 caisses. So mon père Mazine là nous avons avec Maurice, nous avons avec Jamélie, nous avons des avec la France, ce que nous aussi nous avons besoin de l'information. Nous avons un business, si tout bien que nous sentis pas payer ici, mais seulement des choses. So nous avons fait un suivi. Ça, c'est un point qui m'a partie très important. Pendant qu'on compte avec le président, les officiers SAC, tu as discuté de la condition de bon travail pendant le temps de la pandémie COVID-19. Et département finance aussi, il a agréé qu'il a zo taxe à l'année pour beaucoup moins. Et en grande partie, il a cause business tourisme, pas pu faire la zon pareil bonne l'année avant. Secrétaire principal pour finance, il dit qu'il peut prendre plaisir à l'année pour ramasser la zon et réduire la bonne dette qui paye en an. L'EMC fait un amendement à budget 2020. Nous avons prévoir qui en vie. Réduction de nous, l'arrivée de touristes qui nous pille l'économie, nous pouvons prévoir pour perdre à peu près 1,8 billion roupies de collection taxes. So, ça nous finit pour prévoir aller. À cause de nous connaître, c'est seulement bon, l'hôtel, nous avons dit, si n'a pas aucun visiteur, aucun client, il n'y a pas aucun revenu. Ça veut dire que c'est un client qui peut venir pour payer sa 15% VAT qui nous relaye totalement. Et ça, il y a un cascading effect que tous les autres secteurs, ou bien toutes les autres activités, les autres business qui peuvent relayer les touristes de sa hôtel ou bien de la guest, soit carrière, soit sa taxi, soit sa tour guide, soit sa artisan, ils aussi peuvent affecter. So, nous pas pour gagner sa collection business tax qui nous suspecte pour gagner à cause pour 2020 nous tin prévoir le nous fait nous budget 2020 en 2019 qui tourism growth pour grandir par 5% en 2020 mais malheureusement avec Covid nous ne prévoir présent qui nous pour l'arrivée touriste pour réduire par 64%. So, naturellement nous tin fini qu'on est qui nous collection tax pour descendre. Et c'est ça, à présent, nous pouvons actuellement dépenser plus, première fois après la réforme 2008, nous pouvons dépenser plus comparé avec ce qui nous habitait collecter, nous pouvons faire un déficit. Et les moyens, vous pouvez commencer à nous pour ramasser la zone perdue l'année prochaine? Il faut un petit peu 6 bits pour nous, si l'année prochaine, commence à ramasser la zone ou permettre. Il faut besoin d'un process graduel. C'est ce que nous appelons un medium term plan. Quand pas bonne l'année qui peut venir, nous avons besoin graduellement, plus ou moins, c'est coût sa déficit qui nous en a. So, il n'y a pas une question en masse à la raison, mais il y a une question qui moyen nous fait nous dépenses vine plus soutenable de bonne l'année qui vient. En mesi, présent qui nous l'économie pick-up, nous revenons monter et nous capables aussi assurer qui nous dette become soutenable. Parti One Seychelles in loss et l'autre groupe candidat qui peut débuter dans l'élection de l'Assemblée nationale, Saï Hervé Anthony pour district au Cap, Ralph Enista pour district en Citoyens, Delroy Finesse pour district English River, Randy Alphonse pour district en Soyal, Joëlla Saint-Ange pour district en Saupin, et Mike Maria pour district Takamaka. Président parti Alice Saint-Ange, il lance sa bonne candidat au Cap contre la cour Jane Carpin qui est une bonne supporter parti. Imsi Saint-Ange dit que c'est dimanche prochain qui pour présenter dernier 10 candidats qui pour débuter pour sa élection. L'étant est adresse son bon candidat, il fait sortir l'importance qui bon candidat y amène conseil au district de l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale candidat pour district et dans district on a PEP CCLOI. Ou vient représente PEP CCLOI. Faut pas nous faire sa faute. Tout candidat One Seychelles qui pour gagner l'élection. Faut pas nous faire faute. Pour dire nous là-bas dans la cise, nous causer grand speech. C'est maintenant rien pas censé dans la vie du monde. Nous besoin assurer que tout ça qui ou dit monde dit ou dans district ou amène ni là-bas. Si nous pas faire ça,
il pas pour jamais résoudre nos pays pour rester maillayété et souffrance pour coller l'Oledo c'est ses lois. Sabrina Beauchamp est meilleure étudiante pour l'année 2019 pour l'école NIHSS. En tout, 71 travailleurs de la santé ont eu un certificat aujourd'hui dans la cérémonie graduation au niveau certificat, diplôme et degré. Une cérémonie qui ne fait pas dans la santé publique, côté bon invité si besoin fait social distancing et mettre masque. Sabrina Beauchamp, qui joint l'école NIHSS comme mature student pour un diplôme de Environmental Health Sciences. Il dit qu'il participe expecté qu'il peut sortir comme un meilleur étudiant pour l'année passée et remporte la coupe président. Moi, je commence as a HCA, Healthcare Assistant. Je travaille pour Valon. Et pendant un an, je travaille là-bas. Après, je suis pour moi à l'école. Qui était top décision parce que moi j'ai parents comme si par exemple ma zine balance l'étude avec family life et mon mari et tout, so moi me pense à challenge comme si I'm so proud today. Moi quoi, as a mature student, mon là avec ma maman qui dans mon classe comme si as a role model par Andy, mon est tout qui m'aime mon capable et moi aussi moi même mon enfant, mon famille qui est vraiment top comme si pour mon cas. Attend mon studies, mais c'est mon, I'm happy, I'm happy, yeah. Et où on gagne scholarship parmi bon ou bon prix, est-ce qu'il pourrait un travail ou bien pas le direct pas sur scholarship là? Alors mon quoi, ma va travail, pour un peu d'expérience avant. Après vie que ça COVID aussi, ben les sticks, je ben affaires. Après magasin, mon quoi aller. En tout, 71 officiers de la santé ont gagné un certificat au niveau certificat, diplôme et degré. 16 anciens étudiants ont gagné un certificat de soins de la santé, 5 ont gagné un diplôme de nursing, 6 diplôme de environmental health sciences, 5 avec diplôme de physiothérapie, 20 avec diplôme de social work et 19 travailleurs de la santé qui ont gagné un premier degré de dental therapy en collaboration avec l'université en Sud-Afrique. Présent pour sa cérémonie graduation, le vice-président Vincent Mériton, secrétaire d'État pour la santé, ambassadeur Marie-Pierre Lloyd, parmi les autres aux officiers de la santé. Et pendant sa cérémonie, directeur NIHSS, Marilyn Nika, tient un bon mot l'encouragement pour sa 71 travailleurs la santé. Dear graduates, you were offered training in health and social work. Nothing was handed to you. It was an opportunity that was offered. The opportunity that you took personally to invest in the development of your knowledge, skills, and attitude. None of this was easy. And none will come easy. Every one of you had to read, work, train, think more, and educate yourself more. You had to fend off bad habits, had to be part of a reform institutions, and do more than defend old habits and behaviors. You have partaken of a rich store of knowledge, skills, and attitude, as well as the wisdom and the collective judgment of a great profession. You will agree with me that the traditional knowing of health and social work professions are grounded on the spirit of openness, fairness, caring, and compassion. It is easy to feel hopeful. There will be challenging days ahead. No matter how buried it gets or how lost you feel, you must hold on to the hope and keep it alive. Tu aussi en a pris pour bonne meilleure performance au niveau académique et pratique pour chaque niveau l'étude. Et pareil tradition, tous les 71 travailleurs de la santé qui font autre pour travail d'après bon principe qui est travailler la santé, ils méritent un. Responsable International School dit qu'il y a une amélioration remarquable dans le résultat de l'examen IGCSE et A-Levels pour sa l'année. 93% étudiants passent sous l'examen A-Levels et 82% pour IGCSE. Ça y a au moins 13% l'augmentation comparée avec l'année passée. Ça, l'école il fait une bonne performance malgré qu'ils n'ont pas suivi l'école à cause COVID-19.
9. Steffi Ann Motsi et Drew Brambat sont des étudiants de l'International School. Sa de étudiants y parmi une vingtaine côte sa l'école qui a un résultat remarquable dans l'examen IGCSE et élevals pour sa l'année. Tous les deux ont gagné A dans tous ces qu'ils ont fait. Stéphane a fait 5 6 et il dit qu'ils sont bons performances si résultat bonne planification et travail dit qu'il fait pendant l'année. It's definitely a challenge. A-levels is not something you can just walk into. You have to plan yourself, you have to be mentally prepared, mentally, emotionally, and academically prepared to really work your hardest. And you have to be really consistent with your work. You can't just work hard for a certain amount of time and then, you know, slack a bit. It has to be consistent, hard work throughout the year. Just dedication to what you're doing, you know. You have to be passionate about studying and, you know, enjoying what you're learning. And I think that's what brings out the best grades at the end of the day. Drew, de l'autre côté, il dit qu'il gagne beaucoup de support avec l'école et son parent. I feel incredible, first of all, and great. And I feel like the environment, ISS community, it's helped me immensely to achieve this result. As you can see, the common room and all of my students and every teachers, it has helped me. I feel good. Malgré que l'école est fermée à cause de la pandémie COVID-19, ça a pas un grand effet sur la performance étudiant International School dans l'examen IGCSE et A-levels. Our students have performed extremely well in comparison to previous years. We are very proud of what they've achieved that has allowed them to go to their university choices at A-level. And at IGCSE as well, the students have performed extremely well. We have got a pass rate at A-level that's gone up from 80% to 93% in the last year. And our pass rate at GCSE has gone up from 63% to 82%. So that's great evidence of the hard work the teachers have put in and what the students have achieved with those results. Obviously with lockdown as well this year and a difficult situation for the students to go through, that's a fantastic achievement for all of them. Madame Valentine, il aussi dit que sa bon résultat est grâce à travail d'un enseignant qui est dévoué et étudiant qui paraît pour apprendre. Il s'est Dmitri Sergeevich Kishlov, il a été appointé comme un nouveau consul honoraire Cécile et basé à Moscou, la Russie. Une réception s'est organisée cette semaine en son honneur par l'ambassadeur de la Russie qui a accrédité Cécile M. Kislov et Cécile pour une visite familiarisation et pour responsable pour région Moscou et Rostov. Son appointement il a décrit comme un pas important dans la consolidation des relations bilatérales entre Cécile et la Russie. Cécile, il y en a 80 consuls honoraires qui sont basés à travers le monde. Et c'est avec ça qu'on arrive à la fin de ce bulletin pour tantôt. Merci pour qu'ils suivent et bonsoir.